Pendant bandiyo a valé terrain plus de nos jours, sans pression, sans créatif pour l'État et la police Kenya qui déjà présent dans le pays d'Haïti, ça a été plusieurs mois, problème et sécurité pays d'Haïti a vint paraître un gros défi pour l'État avec force de l'ordre. Et ceci, insécurité pays d'Haïti, li politisé. Si on nègre mes graines dans elle, résoudre problème et sécurité dans le pays d'Haïti, y a tout yel. Qui est-ce qui a tout yel? Y a, pas besoin qu'on est. C'est nèg qui met insécurité qui a tout yel. Parce que grand pile nèg là qui a intérêt yo dans insécurité pays d'Haïti yel là. Ne sens ça, tenez bien. Hier soir m'a remarqué et il y a une quantité blindé qui rentre dans le pays d'Haïti. Plusieurs blindés. Dans le sens pour contrer carré bandi yo avec la troublaï. Il y a blaï dans le pays. Et ceci, nous avons des blindés qui sont plus bons que les blindés tinois. Il y a des blindés qui sont tinois. Qu'est-ce qu'on a posé? Pour qui entité blindés rentre et qui travaille? Yo pral fè nan pays d'Haïti. M gen detay nan menm, m gen information de bonne source. Tande kon sa m pral di ou blindé sa yo pou ki group yo antre. Si la pou la police, si la pou Kenya. Men yo la. Yo la et bel et bien présent nan pays d'Haïti yo pi bon ke tinwè, ke blindé tinwè yo. Entre-temps, est-ce que nous konnen? C'est Dimitri Erard qui monte complot pour craser prison pénitentiaire nationale et puis attaquer palais national pour faciliter Guy Philippe prend pouvoir. Vous saisi? Eh bien, attendez. Ça veut dire on pas comme ça? Enquête menée. Il y a des enquêteurs là qui mènent enquête, yo joine détail. Oui. Yo wè ki j'ai complot a été fait. Yo wè comment Dimitri era planifié pour craser prison, attaquer par national, prendre contrôle par national, remettre les bagues Philippe. Rete là, nous va aborder avec précision parler. Pas faire que souterrain Jésus Chita, nous même dans pour 1789, nous la bonne vérité, nous pas la sensation, nous fait que sauter. On parti. Attendez non. Nous connaît bandi yo, yo vinn plus puissant. La police pas ka go avec gang yo tellement gang yo entend yo m'te dit ça dans plusieurs émissions toujours fait. M'di nous depuis nous quitter bandi met tête yo ensemble, li c'est un danger pour pays d'Haïti et la police pas ka camper goum avec yo. Dans émission que m'te fait dans ce passé là, m'te dit gang yo gè propre stratégie par yo pour goumer et yo fort dans faire diversion. De bouté les bandi attaquer une zone, yo connaît ces zones ça même yo besoin oui. Tout vivant ensemble, monter complot, non bloc yo, y a pété balle, y a attaqué commissariat, attaqué policier. De façon pour la police travaille. C'est pas ça me dit Josala non, mais c'est un rappel me fait pour. Nous va remarquer depuis les Kenya rentré là, bande yo vinn gon force, yo vinn pied énervé. Yo vinn monter que yo puissant, yo pensé, yo met toute façon de balance non, yo pas appelé Kenya yo. Yo pas appelé la police. De jour en jour, bandi a valé terrain. Et dans l'émission que j'ai fait matin, là, je dit, faut que yon expert gade qui sa qui gagne en bas sol côté bandi occupé. Est-ce que pas gagne gaz en balle? Est-ce que pas gagne l'or? Est-ce que pas gagne diamant? Est-ce que pas gagne iridium? Est-ce que pas gagne cerium en bas terre? On dit ça. L'autre de bandi attaque une zone, dit qu'on pour ça attaquer. Li konn pou sa pou kontrol espace là, c'est pas pour lui, mais c'est boss li qui passe l'ordre et puis tu bay l'argent, yo attaquer zone là. Tendez bien. Nan sens pour compter carré. Zak banditisyo. Nous tout connaît gang yo vinn puissant et résoudre problème insécurité dans pays d'Haïti, li vinn paraît un défi qui difficile, qui pas impossible pour l'État résoudre dans pays d'Haïti. Et ceci ne cap résoudre pour les insécurité dans le pays, il y a pareil. Tu me sais qu'on va en bas boire parce qu'il y a tout yo. Jovenel Moïse t'a essayé. Mais malheureusement, il t'a fait toute confiance, n'a pas fait confiance c'est yo qui va le touiller. Dimitri Erard t'a mis Jovenel Moïse en confiance, pourtant c'est lui
avec mes seigneurs qui ont planifié pour tout il. C'est où? Oui, je vais les garer, oui. Les garer. Eh bien, attendez, non. Avant de arriver sous Dimitri Era, il y a plusieurs blindés qui entrent dans le pays d'Haïti. Et blindé ça, j'en garde sur l'écran. C'est un blindé qui a une couleur vert. Et c'est s'il y a 4 potes. Dans 4 potes, ça, et dans 2 blindés, il y a capoté environ 6 nègres. 6 nègres derrière, 4 devant, ça va être 10. Hein? Et blindé ça, au plus bon qui est blindé, nous, yo te voye yo pour la police. Ça veut dire qui ça? Blindé ça, yo, yo gen mission spéciale, y a vin gérer. Après attaque, bandit fin fait sous 2 machines ambassade américaine. Américain senti que yo menacé. Et ambassade américain te confirmé que yo parlé avec gang yo pour mande yo sécurité, pour mande yo pour gérer bâtiment ambassade là avec personnel qui travaille en dedans. Ça veut dire qui ça? Si Américain yo relé bandi planifié avec négocier avec bandi yo yo façon pour ka jouer une sécurité pour ambassade là et l'état haïtien même ka faire résistance qui pa vle parler avec gang yo. Ça veut dire qui ça? Est-ce que c'est pas un message yo voyé bay l'état pour dire si nous même qui c'est américain qui puissant dans monde là nous parle avec gang yo, nous dialogue avec gang yo et ou même qui n'a pas pays ou c'est même nèg ka bay problème pa parle avec yo. Si nous ne pas passer dans où l'eau bandi yo, est-ce que c'est pas un message comme ça? Blindé ça qui vient là, c'est le façon qui veut jouer moins, c'est blindé pour sécuriser ambassade là. Bon moi petit samedi encore, selon information de bonne source, 3 blindés ça nous remarquer sur écran, c'est blindé américain voyé pour protéger ambassade là, pour sécuriser ambassade là. Toi blindé va vraiment pile et bien ça est bon blindé de bonne qualité et va ba rayon et va ba et ti ba yo voye ba nous pour aller avec gang et puis vite n'a pédé en panne dans opération bandit me dit fila dans nous non c'est bon blindé ba normal attendez bien c'est comme dit nous américain comprend jote là yo rentre dans jote là avec gang yo américain parle avec gang yo pour protéger américain yo pour protéger business yo. et nous même membre conseil présidentiel et nous même hein gouvernement Gary Conny ça n'a fait n'a négocié ou bien n'a fait résistance et ça oui yo voye ba nous comme message hein et grand timoun nous comprendre américain cap financer. Hein? Force Kenya qui a voué blindé, qui a voué matériel pour qu'a contrer carré gang yo. Et puis c'est même nèg sa yo qui a parlé avec gang nan batable en cachette, il en cachette non parce que c'est un ambassadeur qui parle. On va imaginer hein si c'est une autorité dans pays d'Haïti qui te dit yo parle avec gang yo là, yo en contact sérieux, yo en communication avec gang yo t'attendez. Département d'État américain t'a sanctionné moun sa comme moun ki nan gang. Nous wè ça. Nous comprenons yo. Comme si c'est américain qui en contact avec gang yo pour intérêt yo et va nan gang. Da nou te wè ça qui t'est passé avec Jimmy Cherizé barbecue avec journaliste Routez qui t'est porté gros pour lui. Eh amis. Au grand vidéo là m'a regarder côté plusieurs américains là, journaliste oui. Y a prié pour barbecue, y a prié, y a demandé bon Dieu protéger la vie barbecue. Protéger la vie barbecue, c'est protéger insécurité à plus oui. Pour le cas durable dans le pays d'Haïti. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Le prier pour protéger barbecue, c'est m'en demander continuité pour insécurité. Hey, nous mêler, nous travailler. Eh bien, on entre nous. Dimitri Era. Dimitri Era, ancien policier, chef paix national, nexali li impliqué dans assassinat président Jovenel Moïse, li était dans prison pénitentiaire nationale. Selon enquêteur américain yo, selon enquête qui menait Dimitri Era, c'est auteur planification pour craser prison pénitentiaire nationale
Et puis tout, c'est même lui-même encore avec gang vivant ensemble, yo planifié pour attaquer Palais National pour reprendre remettre li bay Guy Philippe pour Guy Philippe faciliter prendre pouvoir. Ah, nous renèg yo. Tendez bien. Dimitri Era tout de suite après, il vient craser prison, il entre dans village de Dieu avec Izo. C'est une raison te ouais, Izo il te gagne un engouement, il te gagne un objectif pour te attaquer par national, prendre contrôle par national. Nous doit Izo la qui doit nous sur tête par national, regarder qui gens police URGPN yo a abrité au tête d'Okaï. Hein? Kounya là, Dimitri Era passé par l'autre monde pour te voir l'argent par les policiers qui en dedans palais national qui a fait résistance qui pas voulait livrer palais il t'a ba au cob même j'ai été ba au cob pour te livrer Jovenel Moïse la caïni il t'a pas donné ça au cob mais n'ego pas voulait n'ego c'est camp gourmet connait n'ex pas ancien et pas ancien si c'est ancien n'ego qui t'en de parler comme ça que t'a ba au cob là déjà n'ego pas cob aller parce que Dimitri Era. Mais c'est un nouveau jeune qui t'en de parler. Il même yo fait tout yo fraîche. Il va dans corruption avec nèg. C'est résistance qui est lié. Nèg va prendre l'argent. Il te veut corrompre nèg yo. Oh oh. Oh, vous entendez? Et bien maintenant on va chez Chita. Nous pas qui t'entendez en gros et en large. Journaliste Johnny Ferdinand cap détail rapport enquête. Américains ont fait là concernant des attaques qui étaient gagnées pendant le dernier temps, ça s'est passé là. Prison crasée, plusieurs zones attaquées, palais national de Bandi Otevle Pral, et ceci, enquêteur dit, c'est Dimitri Era, ancien policier, IRGPN, qui était chef sécurité président Jovenel Moïse, qui était planifié tout ça qui a passé dans le pays là pour te faciliter Guy Philippe. Tenez bien? Guy Philippe révolutionnaire pour te faciliter Guy Philippe pour pouvoir. Eh bien, dans la mal passé, Guy Philippe là toujours, lui souvent, l'autre de Guy Philippe parle comme ça, lui qu'on a qu'à s'y communiquer, lui qu'on a qu'à s'y en contact, ouais là je me fais qu'à sauter, lui toujours à parler parole et il voit mon devant lui venir lui poser l'attendre, les jeunes barrières libres là pour peut-être lui venir. En tout cas, on a attendu Johnny Ferdinand, qui a détaillé pour nous, ou même qui a attendu. On va commenter, on va like et puis tu fais tomber sur channel là, on dit pour abonner avec nous qui c'est production 69. Partager vidéo, faire lui bien jeune notre famille, notre ami. Rendez-vous nos prochaines émissions m'a quitté avant. Johnny Ferdinand, qu'on va nous plus de temps et précision sur rapport enquête ça qui publié. Des Nations Unies, c'est Dimitri Era. Dimitri Era, groupe expert rappelé, t'es ancien chef sorti 2017. Rivé 2021, unité de sécurité générale du Palais National. Qui lui-même, t'as pris prison pour rôle présumé ta joué bien. Dans l'assassinat ancien président Jovenel Moïse en 2021. Et nous songez, dans l'attaque qui était faite sous prison civile pour le président, eh bien, il t'a fait partie de 4600 prisonniers qui t'étaient mis en voie lieu depuis mars 2024. Et groupe d'experts expliquait, monsieur Era, il était incité en quantité moun pour touiller agent sécurité qui t'a résisté à série attaque ça au palais national. Et il était clairement gagné des parties liées avec Guy Philippe qui lui-même t'a tenté pour le corrompre policier pour quitter gang yo même entrer dans palais national pendant série attaque ça. C'est pas moi qui parle madame, monsieur, je le dis, je le répète. C'est le beau. Je le répète, c'est le groupe d'experts des Nations Unies. Ok? Qui dit, pendant 10 attaques, vivant sans mener contre le palais national, pour te prendre contrôle du palais national et pour te permettre Guy Philippe lui-même de prendre pouvoir, eh bien, il dit, monsieur Era, qui est ancien chef URGPN, eh bien, t'es passé, mon bureau, quitté dans l'offensive Zaolod, où tu es à pas dans la veille. Et il expliquait que t'es un moment même où t'es arrivé à chercher contrôle, chercher contact policier qui t'a résisté dans le palais pour t'es corrompu. C'est-à-dire, bah, ou l'argent, bah, ou des moyens pour les attaquer à fait
pour pas faire trop effort, juste faciliter gang yo entrer. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? M'bat là m'ba mener enquête avec nèg yo, m'ba parler mon sur ça. Dans l'idée pour déstabiliser transition politique là, Vivre Ensemble t'a fait plusieurs attaques contre les ministères de la Justice, de la Défense et de l'Intérieur, ancien bâtiment Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif là, l'hôpital général, on s'en souvient. Ensemble à conseil de UNICEF, c'est le groupe d'experts des Nations Unies qui a parlé dans son dernier rapport qui soumet à l'appréciation et du comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et sachant que la prise du palais national serait un coup symbolique porté à l'État, eh bien, Vivre Ensemble t'a lancé au moins 10 attaques d'envergure contre infrastructure ça depuis commencement mois mars, madame, monsieur. Et on dit, attaque ça, yo, Vivre Ensemble t'a mené contre le palais national, c'est pas des bagailles au hasard. C'est pas des bagailles comme ça, comme ça. C'est le bagage qui était planifié, qui était coordonné. Et on dit, yon n'a tête pas cette série attaque ça, selon le groupe d'experts, qui était dans la police là. Parmi eux, unité départementale de maintien d'ordre, qui, dans l'air du chef de masse là tout, et également, le commissariat de police de Port-au-Prince. Et, groupe d'experts expliquait, dans le quartier voisin, il y a le gang Les Argentins, qui en plus le monde connaît sous gang Bel Air, qui est dans la tête de Kempes Sanon, ah bon? Mais t'es tenté à plusieurs reprises pour prendre contrôle brigade opération d'intervention départementale. On a parlé de Boyd qui stratégiquement trouvé sur les hauteurs du quartier du Fort National. Ça qui t'a permis de lui contrôler depuis les hauteurs en grande partie dans cette ville. Je vais espérer qu'on parle. Dans le quartier voisin Solino, depuis même février 2024, ça, groupe expert expliquait barbecue associé avec ancien rival de Kempes Sanon pour capable intensifier une série de attaques sous quartier ça. Objectif là, c'est accéder à une série de routes stratégiques qui relie territoire Paiwa en paquet l'autre secteur qui sous l'autre zone, notamment Delma à environ. Ça qui va permettre que vous avez une capacité pour faire plus d'exactions, mais également tout pour faire plus de pour augmenter les revenus. C'est le groupe expert qui a parlé, c'est pas moi-même. Autrement dit, qui va permettre de diversifier source de revenus. Le groupe expert a expliqué que il y a un affrontement entre gangs ensemble avec une série de groupes autodéfense dans Solino, surtout des policiers qui sont dans la zone, et bien qui eux-mêmes ont dit pas de question pour zone livrer à gang, et affrontement ça eux-mêmes ont fait plusieurs victimes selon le groupe d'experts. Et ils ont expliqué dans le passé, barbecue a eu une sorte d'arrangement informel avec certains agents de police au niveau de Solino. Avec des gens de monde au niveau de Solino qui s'amène. Mais vous expliquez, cependant, attaque constante, Vivre Ensemble, vina fait contre local avec résidence policière, ensemble à une série d'opérations, la police vina mené contre Bastion Barbecue, et vina contribuer, si vous voulez, à faire que relation, mounzaïo, vina même genre. Mais ça ne peut retenir. Il y a des policiers qui étaient Solino, qui étaient bons amis barbecue, qui étaient un bon rapport avec barbecue. C'est ça que vous expliquez aujourd'hui. Mais vous dites, le fait que Vivre Ensemble vient d'attaquer une série de sites ou bien infrastructures de police, ok? Et puis, la police vient d'amener des opérations dans le fief barbecue, ou bien vient d'attaquer barbecue dans le fief. Donc ça passe en conséquence sur la relation qui est avec ces policiers. Vous venez que chaque vient prendre un caillou, vient défendre un caillou. C'est ça que groupe expert expliqué. Il dit en réaction, pression policière vient augmenter depuis le 9 juin et barbecue lui-même lui revendiqué. Nous songeons ça une attaque meurtrière qui t'a coûté la vie à 3 agents de l'UTAG. On a parlé là de l'unité tactique anti-gang de police nationale qui ont même tapé non patrouille dans Badelma. Et gang n'a été reproché à agents Zayo comme des agents qui étaient décidés d'entrer dans la zone à titre privé. Mais c'est pas la police qui a mené l'opération. C'est à titre privé pour être capable de soutenir le groupe autodéfense qui est au niveau de Solino. Dans l'autre élément encore, il a expliqué que dans le département de l'Ouest, Gagnon a cherché à étendre en prise territoriale pour être capable d'augmenter les revenus. En général, nous connaissons les revenus, ils sont dans la question de kidnapping, enlèvement,
yo sorti dans question détournement marchandise, yo sorti dans trafic drogue, yo sorti dans série de postes de péage sur toute route nationale numéro 2A qui relie capitale là ensemble avec région sud là, ça pas nouvelle. Et yo expliqué que pendant mission multinationale d'appui à la sécurité à tap vin dans pays là, nous songe les dit toute bagaille sans prêt et que Kenya va rentrer etc. Eh bien monsieur qui gagne contrôle zone sud là selon le groupe d'experts des Nations Unies yoté gétant permettre que gang qui dans zone ça assuré au dans série de base qui capable servir d'échappatoire ou bien de couloir pour aller dans l'autre département dans sud là. Et groupe d'experts vous expliquer cellule grand avenue dans Mariani installé dans commune Carrefour fin 2023 te recevoir renfort bon côté groupe 103 zombies que Chalma et Dorin alias Tibébé Bougoy lui-même l'a dirigé pour étendre contrôle grand ravine sous commune voisine qui est Gressier. Et vous expliquez qu'il y a l'autre poste de péage qui était mis en place et gang yo exercé violence sauvage jusqu'à mois mai 2024. Et vous parlez de 25 civils pour Pépiti qui était tombé en babal bandi, sorti 28 juin pour dériver 1er juillet qui est passé là. Et vous expliquez que la police, non sens, a perdu contrôle commissariat Gressier. Et là, nous sommes le 7 juillet 2024. Et groupe expert yo allait plus loin pour dire une série de communes, ça veut les communes méridionales yo tankou Léogane, tankou Grand Gouave, tankou Tigouave, yo même tout yo était dans viseur gang yo. Donc yo était des menaces sur yo. Et yo parlait que la date du 20 juillet, côté le groupe 103 zombies les même te publié en vidéo qui t'a montré clairement que yo était arrivé dans la Féonaï, en localité dans commune Léogane, yo expliqué que localité ça les limitrophes à commune Gressier. Et yo dit puisque son espace qui montagneux et gang yo te gen tan wè nan li on base stratégique OK pour gang yo même yo fui si jamais la police t'amène ou attaque sur yo parce que yo dit là où vient la montagne la vin plus difficile d'accès OK pour la police ta soit vin prend yo ou bien bataille yo dit en parlant de groupe expert yo gang yo te gen tan zone avant viseur parce que pour yo même annonce Kenya annonce mission multinational là c'est d'avoir un rololoï donc de ce fait tu as préparé aux conséquences un pour gagner plus d'âmes dans mes deux pour gagner plus de moyens et trois pour te identifier une série de zones une série de couloirs qui va permettre que vous quittez région métropolitaine là gen jamaïcain qui vini gen moun ki soti Belize ki soti Bahamas qui vini ça pas empêcher madame monsieur situation style pas améliorée. Il y a un problème. Malgré tout ça yo, qui fait, yon après l'autre, dans l'idée pour te changer de yo, au lieu de la situation améliorer, les vins sont graves. Et nous expliquer ça plus d'une fois ici. On n'a pas besoin de lunettes, on n'a pas besoin ni de pro, ni de anti, on n'a pas besoin. Ni tes grands nègres, ni tes grands femmes, ni tes petits mouns, ni tes garçons, ni tes femmes. Ou pas besoin de te remettre Johnny Ferdinand, te remettre Ronald des hommes, te remettre guerrier, ou bien n'importe l'autre journaliste qui a parlé dans la radio, pour te constater que aujourd'hui, par rapport au mois précédent, pas rien qui changeait véritablement. Sinon, nous commençons beaucoup plus inquiets qu'avant, puisque nous avons expliqué ça au début. Il y a possibilité pour nous penser que demain est meilleur et que demain est meilleur. Mais je dis à nous douter. Par contre, vous comprenez, vous avez des hommes, par contre, vous comprenez, vous avez des hommes. Donc, pour Madame Salvador, la situation reste fragile en Haïti sur le plan sécuritaire. Autrement dit, la situation sécuritaire reste fragile en Haïti. Elle a raison. Parfaitement raison. Que le t'as sincère ou pas, et que ça t'a traduit un échec de minute dans le pays, a vu ça, yon même yon gagné comme mission, etc. Elle dit la vérité. Le pourquoi? Je dis, a, les activités criminelles des gangs armés, yon apprend j'arrête chaque jour. Bon Dieu mette. Et madame n'a expliqué gang yo attaque à terre
gang yo attaqué sous la mer, je veux dire. Yo seulement gèlè pou attaqué là. Si mon gèlè pou gagner hélicoptère, yo gagner et avion. Bon, j'ai au prêt aller là, j'ai gang yo a renforcé tête yo là. Pas grand-rien que dire, non tant qu'il pas trop long qui va prêt disposer de matériel sophistiqué que ça. Yeah. Bon, bah ça nous a souhaité, mais si yo pat là, bon t'es content. Gang c'était dans cachot t'es content nèg t'es peur yo relé le bandi t'es content moun t'es peur pour yo connait s'il nan mauvais affaire s'il nan vol affaire moun s'il nan braqué moun s'il nan touyer moun mais jodi a on est à l'aise OK pour le vanter tête li comme chef gang on est fier pour le dire qu'on touyer moun li qu'on kidnapper moun et le pire de tout ça c'est pas comportement moun ki nan gang nommé chef gang nan non. C'est un parti dans la société qui quand même retrouve dans ça comme si ça m'a a fait comme éloge de tête d'ia son bon bagaille et que je m'en capable applaudir mon cher ou son gros bandit ou son bon bandit etc. Encore une fois c'est des bagailles qui t'a ka inquiéter nous selon madame Salvador pendant ces derniers mois madame monsieur notamment ces trois dernier mois, quantité de violence en d'un pays, on a parlé de violence armée, il a augmenté. Mais quantité de violence armée, ça y a tout, il a provoqué augmentation quantité de monde qui a couru des zones de la violence. Et on parle d'une augmentation, et il a dit ça dans le titre là, de 22%. Qui vient faire qui ça, si on a mis ton chiffre. Sous pourcentage ça, selon chiffre des Nations Unies, il y a 700 000 personnes au moins qui n'ont couru Josia, qui ont quitté la zone de la caillou, qui ont quitté le quartier de la caillou, qui ont quitté la ville, qui ont quitté la commune, pour qu'ils puissent survivre, pour qu'on balle par dans la tête, pour qu'on ne dise pas tirer sur eux, pour qu'on ne dise pas violer eux, pour qu'on ne dise pas faire cas de Jacques sur eux, pour qu'on ne dise pas kidnapper eux, etc. Et toujours selon madame là gang sa yo yo adonné yo à toute forme de violence yo joine tout hier yo joine faire garder Jacques là ou faire garder Jacques yo joine bouler à yo bouler yo joine kidnapper à yo kidnapper et ça paraît et puis révoltant dans ça pas de pièce catégorie monde qui est pas donc femme victime de ça n'a pas parlé là de ça madame n'a décrit tout au niveau du Conseil des Nations Unies garçon victime de lui ti moun piti ni ti fini ti garçon yo victime de lui donc c'est des gang de jour en jour qui a monté yo plus criminel que jamais et malheureusement on a une population qui paraît affaibli, qui paraît sans défense, qui paraît pas qu'à faire rien devant les atrocités de ces groupes criminels, madame, monsieur. Et nous t'ai expliqué ça hier matin. Personne pas à l'abri. Dans le sens que je dis à pas gagner VIP dans ça qui a passé là. Et bon temps, vous t'ai permettre ou dit. Bon série de zones, c'est zones de non-droit. Mais bon série de zones, c'est zones résidentielles, c'est zones qui gagne sécurité, c'est zones mon pas jamais oser venir faire du mal. Mais je dis à tel n'est pas le cas. Si bien que depuis un certain temps, pratiquement un an, où est qui ça qui à la mode nos séries de zones, côté mon yo même a organisé pour sécuriser tête yo, soit dans montée brigade, soit dans montée barrière. Vous savez pourquoi? C'est parce que moun yo conscient qu'à tout moment les criminels yo n'ont démarche pour tant de tentacules yo capable river sous yo. Et de fait, jodia li capable jwenn explication à ça. Nous capable jwenn explication à ça. Té gon temps en 2021 par exemple, c'était moun martissant qui t'a couru à cause de groupes gang qui t'a bataille. OK? T'a couru, il prend balle etc. Mais tout le monde dans le pays a été presque croisé bras comme si ça a passé Matissa.
pas concerné yo pas pour yo parce que yo même yo à l'abri. Mais gè de moun ki te vinn kite Batisan ki vinn habiter Carrefour Feuille. On ti temps après c'est prêt à se tabal le tour des habitants de Carrefour Feuille. Malgré tout ça que t'es gagné comme des signes avant-coureur pour t'empêcher que situation li arrive là et nous perdu Carrefour Feuille. On ta capable prendre exemple là tout pour moun ki sorti Carrefour Feuille qui a habité Solino Delma 24 ak zone qui avoisine yo. Mais depuis un an y a résisté là mais jodi a la pifonne yo nan kouri. Li valable tout pour des moun qui t'ai habité quoi des bouquets. Les 400 maozo fina yo 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 just quitté ça quoi des bouquets y a pas avancé pour venir tomber sous tabar. Gina au calpi ou même jusqu'à Torcel. Eh bien avec Vitry l'homme moun sa yo yo nan kouri pirèd. Et très récemment là en Ventima kap te mouri même dans les hauteurs de Pétionville au niveau de la boule donc on dit sa situation intérieure. Donc c'est pour vous dire que jodi a un monde qui doit croiser bras ou dit que où était Vivi Mitchell où était par exemple Peggyville ou bien on était n'importe l'autre côté qui poko attaqué par les gangs et vous dit mon cher pas trop intéressé à ça qui a passé Solino parce que un ou pas de Solino deux ou pas de femme de Solino par exemple Solino c'est un très mauvais calcul. Parce que du train que ça va, par exemple, jeudi à Solino, demain, pas pour l'autre zone. Par exemple, demain, pas dans la zone, pas de Delma 30, les pas de Delma 75, les pas de Pétionville, etc. Ce n'est pas ça que j'ai souhaité. Mais attention, avant, pas de tout territoire qui était contrôlé par les gangs armés. Avant, pas de toute zone qui était cible d'attaque criminelle. Par contre, vous comprenez où on a les hommes. Et jeudi à moun ki ka di yo ap viv bien par rapport à tout ça qui a passé là moun ki ka di tableau que nous habitué décrit ici que madame Salvador décrit nan niveau conseil sécurité des Nations Unies pas di yo yon pas inquiété yo c'est soit ces chefs gang yo parce que y a fait métier yo ils étouyer moun ki se timé la terre et cetera yo gen droit pas inquiété du tout au contraire ces situations ça fait au bien. Parce que le rapport est nous supposé beaucoup plus. Ou bien nous avons des gens qui sont dans la gang, des membres des gangs armés. Puisque plus il y a de simé la terreur, probablement c'est plus il y a montré chef gang, il y a de travail, il y a de payer, il y a exigé beaucoup plus. C'est des gens qui ont collaboré avec gang sous une forme ou sous une autre. C'est-à-dire des gens qui ont sollicité service gang. Nan. Ou bien tout des gens qui ont fait commerce avec gang. Nan, faire jouer une munition, faire jouer une armes, etc. Donc moun sa yo yo quand même confortable à sa ka rive là. Ou bien des moun tout qui connaît depuis pays à chaud, mais depuis pays à des problèmes sa yo yo ti ont quelque on quelconque bénéfice là-dedans. Donc c'est yo jodi a, nous ta capable dire mais attention. Tout groupe sa yo mette ensemble yo minoritaire par rapport à la population civile. Par rapport à la population civile et ceci quel que soit côté y a vive sous la TVN des boussiers haïtiens. Et pour qui ça me dit, quel que soit côté, il y a de vivre là. Un monde qui est États-Unis, par exemple, je dis, ou bien Canada, en France, n'importe l'autre côté, qui va à Haïti. Ou bien, on doit dire madame, ou bien, on doit dire Mario, Petito, etc., maman, papa, il n'y a pas d'envie, donc, il n'y a pas d'intérêt pour inquiéter. Mais attention, ou bien, on a un cousin, ou bien, on a l'autre membre d'enfant, ou bien, l'elle nan cour il a le jour comme ça que mon chef vient quand elle a noté gagnant là bandi prend ou pas obligé réfléchir pour voir l'argent balé pour le kay l'elle jour comme ça que mon chef pas le travail il perd du job lié à cause de sécurité entreprise fait bien ou bien elle tape font activité à camper à cause violence nèg exam donc bon garantie même si que t'a dû dans dernier niveau ou obligé ouais sous ca vouriger balé les gagnants des familles des amis qui connaît que le bon monde l'autre bord et cetera bagaille pas bon pour lui et bagaille pas bon pour lui parce que situation sécuritaire là aggravée là va le lot téléphone va le sonner donc même ou même ou vinn pas en paix malgré koto hier ou pas forcément gen même pression sous dos que les mêmes le quelque part les concerne voir qu'on y a là si ou même bandon log et petit tout Haïti voir qu'on y a là si ou même bandon koto hier ou gen madame ou gen mari ou gen maman ou gen papa qui là donc ça veut dire ça qui a passé dans le pays, li vin quand même préoccupé. Même s'il a varié niveau de préoccupation, dans le monde, à l'autre. Par
contre, vous comprenez? On garde ça qui passe l'histoire là. Nèg débarqué ou tiré sur mon école. Mais depuis hier, l'école fermée. Depuis hier, l'école fermée. Donc probablement, il y a des gens qui ont l'histoire là, qui attendent des radios, qui ne peuvent pas vivre l'histoire. Mais il y a des gens qui ont petit, ou bien des cousines, des cousins, qui te connaissent l'école l'histoire. Et pour qui ça l'école fermée? Parce que nèg yo gen nan viseur yo établissement scolaire aussi bien que dernier voice note yo nan chef gang yo rend public là li clairement dit ti parent yo ke ti moun yo la kayou. Donc ou même qui gen proche ou la tout automatiquement qui vinn pa ka aller l'école là automatiquement vinn nan difficulté ça automatiquement vinn nan cacher li a pas fait tout quand même par contre vous comprenez sans compter de l'autre monde qui a fait business dans l'autre pays ya qui te konn vinn et acheter pour au prince, mais tu grand pour au prince, à cause route nationale qui bloqué, etc. Tu viens dans difficulté, ou bien tout c'est avec un pile risque pour y faire, on sait de bas arriver dans zone côté ouéa. Donc ça veut dire, sous quelle que soit forme, non, la situation du pays sur le plan sécuritaire, lit quand même un impact sur nous. Et malheureusement, impact ça n'a pas parlé là, son impact dévastateur, pour répéter Madame Salvador. Jodia, nous sommes tous en danger. Malheur à moun qui croit que yo pas habité sur l'île, donc yo pas en danger yo même. Malheur à moun qui croit que gang n'a pas gagné yo nan ligne de mirli, ou bien gang yo pas gagné yo nan viseur yo, donc yo à l'abri. C'est nous tous qui en danger. Et c'est nous tous qui menacés. Parce que je dis à Céli, demain, il est capable, moi-même, il est capable guerrier, il est capable de des hommes, il est capable, ou même tout capitaine de là. Il est capable, ou proche, il est capable, ou bon ami, il est capable, ou membre de la famille. Ce que nous pas souhaité. Mais le fait que nous en avons fait à des groupes criminels sans foi ni loi, le fait que nous en avons fait à des groupes criminels qui sans état d'âme, donc à n'importe moment, n'importe qui ça arrive. Yeah. Et nous t'avons expliqué ça pendant ces deux derniers jours, à savoir avant hier lundi et hier mardi. Et ça paraît plus grave là, c'est qu'une bague personne monde qui pour prendre défense nous. Nous sommes, je dis, en face d'un ensemble autorité qui ne se soucie que par qui soucie seulement de bien-être. C'est une question comme ça. Yeah. Vous entendez? Nous en face, on sait une autorité qui ne se soucie que de leur bien-être, de leurs intérêts. Ou après, si c'est eux-mêmes qui ont difficulté, si c'est eux-mêmes qui voulaient protéger tête, ils ont fait tout ça qu'on est ouvert. Mais quand il s'agit de protéger la population, de la fureur des gangs, tu as toute contrainte, tu as toute difficulté, tu as tout problème, tu as tout prétexte, tout alibi. Mais quand il s'agit de protéger propre tête par eux, quand il s'agit de défendre l'intérêt, quand il s'agit de montrer que au besoin sympathie population, que au besoin support population, ils sont prêts à tout. En parlant des dirigeants, elles sont prêtes à tout en parlant des autorités. Hier, même j'ai tombé sur un communiqué du ministère de la justice et de la sécurité publique. Dans le communiqué, ça, ministre de justice, là, M. Carlos Hercule, ministère a dirigé a annoncé que Garigoni est en danger de mort. Que la vie Garigoni est en danger. Ministère de justice annoncé que il y a deux monde qui mal intentionné qui affilié à des secteurs bien spécifiques qui voulaient retirer la vie car eux m'pa vle ajouter m'pa vle retirer bon simplement bayon lecture très rapidement de communiqué de presse ça ministère de justice à sécurité publique, eh bien, a informé public là en général, la presse spécialement, d'après information gagnée, des individus mal intentionnés
qui a agi pour le compte de certains secteurs bien déterminés dans la vie nationale là, en tant que fait tout ça qui dépend de yo pour s'y mettre davantage de troubles et panique dans le pays, les ont décidé pour attaquer yo à la vie du chef du gouvernement, Dr. Gary Conille, et certains membres qui sont dans le cabinet ministériel lié. Et le ministère de justice dit, par rapport à tout renseignement qui rejoignent dans une série de sources qui ont fait confiance et toutes sources qui presque dit même bagaille, par rapport à renseignement persistant, le ministère de justice et de sécurité publique, eh bien, passer autorité judiciaire ou instruction à la police pour prendre toute disposition appropriée pour garantir respect de l'ordre républicain et puis protéger la vie avec bien tout le monde, particulièrement si là où il a servi l'État. Conformément à l'engagement qui est dans l'accord politique 3 avril 2024, le gouvernement républicain continue à mobiliser toutes ressources et énergie nécessaires dans l'idée pour contrer l'action bande criminelle qui, d'après le ministère de la Justice, empoisonne quotidien citoyen et citoyenne avec action terroriste et puis délétère. Le ministère de Justice et Sécurité publique invite la population à garder calme, garder sérénité pendant la continuer à accompagner les forces de sécurité nationale et puis qui gagne bourrade troupes. Mission multinationale d'appui à la sécurité, n'a parlé de MMAS, n'a GFOR et la SABIO, ministère qui a parlé, qui visait pour établir la paix et la sécurité publique sur toute étendue territoire national. Ça, c'est communiqué de presse, ministère de justice sorti hier 22 octobre, là, pour dire à la République que il y a bon genre d'informations dans elle. Que les gens qui parlent pour trouver Gary Conille. Ça veut dire le ministère a des informations. Son note de presse limitée de yo pour annoncer la population. Mais ça le connaît. Au lieu qu'il prend des bon mesures que de doigts pour que monsieur. Mais qu'est-ce qu'il y a là finalement dans le pays? Bon, nous dit Carlos Hercule. Mettre Carlos Hercule, ministre de justice de mon pays. On va un matin. Nous sommes dans l'espace ça, nous ne pouvons pas minimiser le communiqué de presse.